Lorsqu'elle essaime naturellement, une colonie d'abeilles se dédouble. L'apiculteur industriel ne se contente pas de 2 colonies. Il lui en faut 4 pour remplacer les colonies détruites. Couvain. Honey. Miel. Eggs. Les œufs. Oh, everybody, somebody that they can't talk to. Someone to open up their ears when they're troubled. Now you don't have to sympathize or care what they might do. But everybody needs somebody that they can't talk to. Chaque colonie est morcelée. Œufs, couvain et rayons de miel sont répartis en pièces détachées dans 4 caisses vides, puis mélangés avec des abeilles d'autres colonies. La plupart des reines meurent dans l'opération. Il en faut de nouvelles, qui sont livrées par FedEx et placées dans les ruches. Les choses ont changé à la vitesse grand V. Nous n'élevons plus les abeilles comme mon père le faisait. Mon grand-père prendrait vraisemblablement la fuite s'il voyait la façon dont nous traitons les abeilles aujourd'hui. Il penserait, mon Dieu, comment traitez-vous ces ruches? Avez-vous perdu votre âme? Où sont donc l'attention et la compassion nécessaires? Il dirait certainement que nous avons détruit notre relation avec la colonie. Je pense qu'à l'époque, c'était quand même plus simple de gérer les relations avec les ruches. Qu'est-ce qu'il avait? 1500 ruches? Aujourd'hui, on en a 10 fois plus. On a 10 fois le nombre d'employés, 10 fois plus de terrain, 10 fois le nombre d'exploitations et d'équipements. On a 10 fois plus de camions, on utilise 10 fois plus d'électricité et ça coûte 10 fois plus cher.